On part à Mayotte. Que nous pour prendre des tacos et des wraps alors qu'il y a des bons burgers et des bons steaks. On a tabassé ça bien comme il faut. Voilà, là on a Sophia. Il me dit ma robe elle s'ouvre pas. Une fois il m'a dit ça, on avait toute ma punaise. Europcar c'était trop cher, c'était 40€ la journée. Et je sais pas combien de temps on va se poser, mais je vais me poser. Je vais continuer à faire mon crochet. On essaie d'aller manger là-bas, t'as dit on s'en fiche? En vacances on regarde pas? Non, pas trop. Allez, je vais faire du crochet et après on va aller manger un peu. D'ailleurs, regardez ce que j'ai fait. En gros, ça va être la jupe. Vous voyez les jupes en crochet là qu'on met pour le maillot de bain? Pour cacher un peu les fesses. Voilà, j'ai pas fini, mais en gros, je vais faire des détails comme ça tout le long des fesses pour cacher les fesses. Et puis là, j'ai fait le haut, mais je les ai pas encore assemblés. J'ai pas encore fait les bretelles et tout pour attacher. Faudra juste que j'accroche ici, que je mette les bretelles en haut et les bretelles ici pour attacher au niveau du dos. Voilà, je vais faire ça. T'auras le temps de le finir ou pas? J'espère. Normalement, oui. En tout cas, les couleurs, elles sont bien, bien choisies. Bon, Sandrine est partie nous chercher des frites. Le restaurant à côté, là, juste à sa coulée. Ça, t'as pris chèvre. Ok, moi, j'ai pris poulet. Bah, écoutez, il est bon. Moi, je vous ai dit, lui, il mange, il s'endort. Il mange, il s'endort. Moi, j'ai une vie de bébé, hein. Bon, je pense qu'on a assez profité, on va se mettre en route, on va bouger. Bah écoutez, sa coulisse était pas mal, finalement il s'est pas baigné, je me suis pas baignée. C'est dommage que ce soit pas valorisé. Là, je vois marqué Brissot Frères, Nantes, 1872. Des grosses pièces de mécanique. Je pense que c'était agricole ou peut-être pour la canne à sucre. Parce que ça me rappelle un peu la Martinique. Il n'y a même pas d'écriteau. J'ai pas vu d'écriteau pour expliquer. Là, ça tombe vraiment en ruine, quoi. Pas de préservation, c'est dommage. Bon, je peux pas vous en dire plus. Je sais pas ce que c'est. Et là, elle mange quoi? Là, c'est quoi? Banane. Et là, c'est l'usine de sucre. Mais ça a fermé quand? Ça a fermé il y a longtemps? Ça a longtemps. Ah. Santa, toujours. Eh oui. Bon, là je l'emmène faire un tour au collège de Doujani. Ce chemin, je l'ai fait tellement de fois, my god. Attendez, je vous montre. De quel côté? Oh putain, une mini. Ah non, c'est une Renault. Normalement, tu voyais directement le terrain de basket. Tu voyais pas. Ah ouais, ils ont fait un chemin carrément qui monte. Oh, ah ouais, le terrain commence là directement. Ma tati, elle avait habité là, Fakria, vite fait, elle n'est pas restée longtemps, je crois. Là, si je me rappelle pas, c'était salle, je sais pas quoi, là, on faisait notre danse, là, cours de danse. Et tout ce qui était gym. Ah, ils ont mis des grillages. Tu vois les grillages, là? Avant, il n'y avait pas de grillage. Là, c'était chez Mabro, elle faisait des brochettes. Oui, Mabro, non, FIFA. Ici, là, c'était les cours d'anglais, les cours de langue, espagnol. Là, il y a toujours eu les maisons comme ça, Antoine. Ouais, Salwa, Natjimbani, oui. Du coup, on se retrouve encore avec un pack de petites bouteilles. Thank you.
Regardez, je tombe sur qui, s'il vous plaît. On n'est pas en mode. On n'est pas en mode Kungu là. Donc je m'appelle Hakim aujourd'hui. Voilà. Ouais, ça reste Astia. Ça reste Astia. Bon, pour avoir la ref, faut aller voir le film. Bah ouais. Pour avoir la ref. Bon, on se retrouve ce week-end. Hein. Bah ouais, Inch'Allah. Ah ouais. Je te jure. Gros tacos ou Airbnb. Là, l'eau est revenue à 16h. Mais, ouais, mais les premiers coups de l'eau, c'est dur un peu. Il y a de l'air, et c'est bizarre. Mais ça coule clair. Avant, ça coulait de la boue à ce qui paraît. Mais là, c'est. Rien à voir, mais j'ai pas mal avancé sur ma petite jupette là. Regardez, j'ai fait des rangs en plus. C'est long. Ouais. Même t'achètes sur Chine, c'est plus rapide. Hello, j'espère que vous êtes réveillés. Enfin, du moins, vous êtes toujours dans la même vidéo. Nous, là, je pense qu'on va à la compagnie. Je pense, on va essayer d'aller manger des mapawa. Et je sais même plus comment il s'appelle le truc. Là, on va essayer de rentrer dans Doujani 2. L'entrée directement de Doujani 2 est fermée parce qu'il y a des travaux. Mais j'ai peur parce qu'on m'a dit, ouais, c'est chaud, faut pas y aller et tout. Là-bas, ça craint maintenant. On va essayer. Donc, on va tenter. Hein. Si ça nous crée, voilà, on fera demi-tour. Sinon, je me regarde un coup d'accélérateur avec la petite voiture. Et là, en face, le orange, là, c'était mon école primaire. Ils ont tout repeint. Avant, c'était beige. Et il n'y avait pas un grand portail comme ça, là. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas le grillage, mais il y avait déjà le petit mur. Non, il n'y avait pas le grillage. Il y avait le petit mur et des petits grillages, tu sais, un truc d'école élémentaire, quoi. Ouais. Mais là, c'est bien. C'est le jeune du barbelé. Ouais. Là où il y a la petite en rose. Là où il y a la voiture, tu vois, là à où il y a la voiture garée, là. On habitait là. Et c'est ici qu'on avait vu mon père, pour la dernière fois, il nous a dit, bon, bah, avec ta mère et moi, ça ne va plus, je pars en France avec ton frère. Je fais, ok. C'est là qu'il t'a donné 2 euros seulement? Ouais, c'est là qu'il... C'est là qu'il nous a donné 2 euros avec mon frère. En mode, allez vous acheter ce que vous voulez. Mais nous, comme on était petits, c'était incroyable, 2 euros. Du coup, après, on est parti. Voilà. Et ma pote Leïla, là, à chaque fois, je te parle d'elle. Elle habitait là. Bon, bah voilà, je vous ai fait un petit tour de Doujani 2. On n'a pas pu aller partout parce qu'il y a des travaux. Ils sont en train de refaire la route et tout, etc. Donc, on ne pouvait pas rouler. Là, c'est direction compagnie Mababa Wings. Ça y est, Nicolas m'a donné le nom. Et MDR, j'ai oublié son nom. Monsieur Abdou, je crois que c'était Monsieur Abdou. J'ai juré maintenant c'était Abdou. Moi, de base, j'étais à l'école avec Monsieur Mouridou en CM2, le malgache là. Mais quand il était absent, c'est Monsieur Abdou qui nous prenait. Et Monsieur Abdou, il était trop connu pour taper ses élèves. Et on n'aimait pas. Quand Monsieur Mouridou il était absent, on était trop dégoûtés parce qu'on savait qu'on allait se faire taper quand on avait une mauvaise réponse ou quoi. Oh purée. Et là, je le vois là. J'aurais dû m'arrêter pour le menacer et lui dire que c'était pas normal. Pas éducatif. Purée. Et surtout pas éducatif. En fait, on avait juste la rage contre lui. Je crois qu'il y a du monde. On comprend un menu qu'on partage. Ouais. Ok, vas-y. Je suis trop chaud. Bon, ce qu'on a pris est enfin arrivé. Le KFC de Mayotte, qu'est-ce que ça vaut? Avec l'Oasis de Mayotte. Vraiment, c'est bon. Ah ouais? Ouais. Moi, je pensais qu'il y en aurait plus. Mmh. Hyper bon. Ah ouais, il est bon le poulet. Mmh. J'en aurais pas assez. Les gars, ce qui se passe là, c'est historique. Je vais vous montrer là où on habitait avant. J'avais déjà montré dans l'autre vlog, mais ma passion, vous montrer en fait. Vous voyez cette pharmacie là, compagnie? C'était notre maison, putain de merde. Et à l'ancienne, quand mon père habitait chez
travaillait avec Jojof Paris, il y avait Jojof Paris. Et nous, on habitait derrière. T'es en train de voir la rue sur laquelle mon frère a appris à faire du vélo. Les murs étaient de quelle couleur ? Tout était en blanc. Et tu vois les grilles là, de la fenêtre ? Ouais. C'était noir. Ça a bien changé. Hein. Tu jouais sur la terrasse ? Oui. On va reprendre la route parce que on va à Petite Terre. Voilà. C'est bien de visiter Grande Terre, mais on oublie souvent Petite Terre. On vient de déposer une prof de PS là. Oh là là. En fait, ça se passe tellement bien que quand on va partir, ça va trop me manquer. Ça marche. Ok. Bon bah merci. Merci, bonne journée. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. En gros, c'est journée bateau où ils prêtent aussi les palmes et les tupas pour nager. Mm. Par contre, là, on attend pour la barge, mais est-ce que tu veux y aller avec la voiture finalement ou pas? Puisque regarde, il va être 16h, je sais pas combien. Ouais. Ça va, tu vis bien ici? J'ai une fille. Ah ouais? Ouais. Mais non. Je suis choquée de fou, je viens de croiser Figo. Figo, un de mes amis d'enfance, quand je traînais à Mamoudzou là. Je suis trop contente, j'aime trop revoir mes anciens potes et tout, ça me fait trop du bien. Bah, regardez à qui. Ouais. BG, enfin. Ça va, c'est du quoi? Tranquille. De France à Mayotte, hein. Et ouais. Alors, c'est comment? Ouais, c'est cool. Bah ouais. T'as vu quoi encore? T'as pas vu la cascade de Soum? Non. C'est où ça? Tu m'amènes ou? Je suis en week-end, je travaille du lundi au vendredi, je suis là mon boulot. Je vais te voir tout nu et tout, je vais te tripler. Biche partie. Hein. Ah ouais, à quelle heure? Vers le soir. Ah putain. Parce que demain, on a déjà un truc d'organiser avec le bro là. En gros, on va au Pacha. Oui. Ouais. Il y a Leilo. Bah oui. C'est où? Biche partie. Je sais même pas, c'est la soeur qui sait. Maman, c'est sa poulie, je sais pas. Ah ouais? C'est poulie, wesh. C'est carré? Ok, bah tu me dis alors. Vas-y, on se taxe. On se tient au courant là. C'est bon? Ouais. Et là, tout ça, ça va rentrer dans la prochaine? Ouais, je crois. Ok, ça marche. Bon, vas-y, à tout à l'heure. Le Farid, bah là, il bosse encore. Et puis, on l'attend là-bas. Il m'a dit, je sens de la barge à gauche, grande route, resto à droite. Voilà. Ok. Pas plus d'indications. Non. Et là, on a le ticket de la barge. De ton pote. Il n'y a pas le prix, j'aurais bien aimé le rembourser quand même. Il y a une abonnée qui m'a vu de loin, elle m'a fait coucou. Oui, cartons à la soupe. C'est ça ce que Faratier veut qu'on lui ramène à la maison. Lui, il a bien chargé sa voiture. Et la soupe aux une pièce, Fendi. Bonjour, je suis juste pour un tout ma vallée. Là, il me souvient de tout. La mec, il la mec. Là, au moins, il achète des couches pour des enfants ou il achète, tu vois. La soupe. Feeling the air.
3 aussi. Samoussa coco sucre. Ouais, je vais goûter. Je connais pas. C'est trois, tout. Et 3 bananes aussi. Ah ouais, tu fais des mélanges. C'est la première fois que je mange des samoussas aux crevettes. Un lien, mais... Ils sont tout petits. Après, bien évidemment, on a pris ça. Je sais même pas comment on appelle ça, moukate. Il va goûter ça tout à l'heure. Je sais pas si je vais vous montrer, mais là, ça devient chaud pour la conduite avec les virages. Donc, je préfère couper la caméra et être un peu plus vigilante sur la route parce que pour qu'on ait 4 yeux, on sait jamais, ça peut se passer. Pardon, ajoute encore. Fais ça encore. Garde ça encore. Vas-y, chante encore. Babe, maintenant que la pression de la caméra, tu vas être obligé d'accepter. Quoi? Si tu même prends la coco au bout de ma langue. Mais... non, c'est dégueu. Regarde, mais non. Je ne pouvais pas passer à Boigny sans revenir sur la plage sur laquelle je marchais pour aller à l'école. Impossible. Impossible quand j'étais petite avec eux. Et Lina, on marchait ici pour aller à l'école. Bon, ce soir on est des sorties, là on va rejoindre le bro et Astia et on va au Pacha parce qu'il y a les Joe. Ouais. Qui arrivait tout à l'heure d'ailleurs, on a qui vu, arrivait tout à l'heure, on a vu les vidéos. Ouais, première fois qu'on sort la nuit comme ça. Priez pour nous, pour que ça se passe bien, pour que les Dakou nous attaquent pas. Est-ce que pour les surprendre, c'est pas nous qui devons les attaquer en premier? Hello! Comme vous avez vu hier soir, c'était incroyable, on est rentré dodo direct. On va prendre un saut de poulet parce que voilà, j'ai envie de poulet ce matin. Donc, enfin, ce matin, il est quand même 14h là. Alors, mes petits loulous, on a loulou un goût pour vous expliquer hier. En gros, je trouve que c'était trop mal organisé pour les Joe là, pour l'artiste qui était au Pacha. Parce qu'en gros, la place pour entrer au Pacha était à 20 balles. Moi, j'ai bien aimé la soirée. Ah ouais, non, mais déjà, moi, passer ma soirée avec le bro Astia et la soeur d'Astia, c'était trop bien. C'était trop bien. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Non. Mais du coup, ouais, je disais, pardon, il m'a coupé. Le pauvre, parce que. Du coup, ça a gâté sa soirée parce que, en fait, quand elle était à l'intérieur, j'avais vu qu'il commençait à avoir une queue derrière, genre des gens qui voulaient venir, tu vois. Mais quand tu sors du 5-5, là où c'est gratuit et que t'arrives, comment dire, t'arrives au Pacha, j'allais dire Barfly, t'arrives au Pacha, on te dit 20 balles. Le choix est vite fait, sachant que juste à côté, il y a le Loft et pas trop loin, il y a Maraba.
Mais apparemment, Mahaba, c'est nul. Je suis jamais allée, mais apparemment, c'est bien nul. Mais j'avoue que ça m'a quand même fait un peu de la peine pour lui. Parce qu'en soi, moi, nous, on est allé au Pacha parce qu'on voulait passer un moment avec le bro et Astia, mais on connaît pas. Tu vois, moi, j'écoute pas. Ma soeur, elle écoute comme une ouf. Mais moi, j'écoute pas, donc je connaissais pas. Le pauvre, j'étais tout devant. Je pouvais même pas réciter ses paroles. Mais bon, c'était quand même un bon moment. Et niveau artiste, il a l'air quand même chouette parce qu'il a quand même fait son show, même si c'était pas rempli. Bref, en tout cas, moi, je vais aller manger du poulet. Bon, on va d'abord regarder Info Route, là, s'il n'y a pas eu un drame sur la route, pour pas qu'on soit les prochains. Moi, je veux Goya, je veux Tamarin, je veux tout, en fait. Faut que je me baisse beaucoup pour la petite voiture, là. T'as pas l'habitude. Tiens, mais en plus, c'est frais. Trop bien. Je vais boire sur la route. On va boire sur la route, on va manger sur la route, parce qu'on va prendre à emporter. Bon, arrivé dans la zone, j'ai hâte de voir ce que ça vaut, en fait. Mais ça a l'air bon, ça a l'air bon. Gaz aussi? Ouais. Ça comme ça et deux comme ça. Merci. Ok. J'ai trop hâte de goûter, ça a l'air si bon. En plus, j'ai faim. Ouais. Je vais jeter sa canette là parce qu'il l'avait oubliée sur la table. J'aime tellement ma vie à Mayotte là que ça va être dur de rentrer. Cet après-midi, je vous avais laissé avec MFC. On était trop fatigués. Là, ce soir, on va encore rejoindre Lobro et Astia. On va manger des brochettes, ça va nous faire du bien. Allez, je suis réveillée depuis 5 heures. Et comment vous dire ? Galère sur galère. Aujourd'hui, j'étais censée aller faire une bête d'activité pour mon anniversaire. Mais les aléas, quand je serai plus posée et qu'il y aura moins de bruit, je vous raconterai. Pour le jour de mon anniversaire, je vais m'envoyer en l'air. Meilleur anniversaire ever. Je vais voir Mayotte de haut. C'est trop beau, tu vas trop kiffer.
C'est le meilleur anniversaire de ma vie. C'est bon, Mayotte? Oui. Yeah. Quand tu passes à côté du Mont Chungi, t'as envie de sauter. Toi, t'as de la chance d'y passer. Nous, on n'y passera pas. Hein. Ah ouais? Non, nous, c'est un petit truc. Oh, t'as envie de sauter. Merci, mon cœur. Anna Kaisaria. Elle a trop peur. Ça va vite y passer. On dirait elle est punie. Tu vis à Mayotte, t'es obligé de faire ça. Tu viens à Mayotte, t'es obligé de faire ça. T'es pas Maori, il y en a, tu viens ici, t'es obligé de faire. Hein? Mayotte n'a rien à envier aux autres îles en fait. Les Seychelles, les Bahamas, les je sais pas quoi. C'est trop beau! T'es pas stressé? Je suis pas stressé du tout. Ok, ça revient. Alors? C'était trop bien. T'as pas vu le lac Diani? J'ai pas vu. T'as pas vu le grand Mouya? J'ai pas vu. T'as pas vu le Mont Chungi? Dommage. Attends.